Et yop les amis, c'est DRXRange et aujourd'hui on se retrouve sur Farming pour le premier épisode. Donc comme je vous l'avais promis, ben on se retrouve sur Farming et on va faire un didacticiel, pardon. Et on va faire le premier, c'est-à-dire labourer. Donc j'avais déjà fait dans une vidéo, mais comme j'aimais pas cette vidéo, bah j'ai dit tiens on va la refaire, tant pis, c'est pas grave. Donc on va commencer les didacticiels, pardon, j'ai encore un peu de mal à le dire, mais c'est pas grave. On va la faire quand même. Donc j'aime bien ce jeu, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Et en plus il est compatible avec mon volant G27. Et avec des consoles, oui, enfin les consoles, n'importe quoi. Avec toute manette et on peut jouer en multi. Enfin en multi j'ai pas encore ici. Je sais pas pourquoi mais j'ai pas ici. Donc aussi j'ai répondu aux commentaires pour le pack de textures. Donc je sais que c'est pas sur cette vidéo là que je devrais le dire, mais bon c'est pas grave. Et c'est vrai que bah en fait j'ai pris un test sur pack d'un mec et puis il me répond pas, donc pour l'instant je peux pas vous dire ce qu'il en est au niveau de ça, mais je vais essayer de, enfin je vais renvoyer un message là il y a pas longtemps comme quoi s'il pouvait me refaire un lien Mediafire comme le sien il marche plus, et après on verra s'il me répond. Donc s'il me répond pas, j'ai pas de lien, je vais essayer de débrouiller pour en retrouver un, voilà. Bon en tout cas ça va pas nous gêner à faire le didacticiel, excusez-moi. Donc on va commencer. Bienvenue. Donc ça va me faire comme la dernière fois. Excusez-moi si vous n'avez pas eu le temps de lire. Au pire, vous ferez une pause. Donc en HD comme d'hab. Sinon, vous n'arriverez pas à lire. 1080. Voilà, je laisse un petit peu plus longtemps pour que vous ayez quand même le temps de lire. Moi, je les connais. Hein, parce que... Alors vous appuyez sur B pour commencer. Alors j'ai mis une touche pour le volant, mais pour l'instant je ne joue pas avec le volant pour faire les didacticiels parce que ça sert pas vraiment grand chose, mais plus tard on fera les avec le volant mais pas avec les didacticiels. On fera avec les didacticiels, on fera autre chose, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ensuite vous faites V, baissez la charrue, voilà. Donc tout est expliqué, donc normalement il n'y a pas de problème. Donc vous mettez les gyrophares. Voilà, c'est cette touche là, c'est vrai. Ensuite vous avancez. J'espère que vous m'entendez bien par contre. J'espère. J'essaie de parler plus fort que la dernière fois quand même. Hein, que vous puissiez m'entendre quand même. J'essaie de pas aller trop vite quand même. Alors aussi, tant qu'on y est, la deuxième vidéo de Too Much TNT, elle viendra bientôt aussi. Aussi tant que j'y pense, ça veut dire. Normalement dans 3-4 jours ça viendra. Donc on va jouer avec le petit Niolang là aujourd'hui. Je l'ai pas dit mais c'est le petit Niolang là. Et aussi il y a un pote qui m'avait demandé, mais ça on fera ça dans le prochain épisode. Enfin dans un autre épisode quand on commencera une petite série. Une carrière suivie par exemple. Bon ce sera une petite carrière suivie mais bon ce sera... Ce sera le début de la du commencement on va dire. Et du coup bah après on va, je vais vous montrer comment faire des copeaux de bois avec un mod. Parce que bon sans le mod j'y arrive pas. Enfin c'est pas que j'y arrive pas mais c'est que c'est plus compliqué en fait. Donc on fera ça avec le mod, donc il est connu parce qu'il a été présenté par un youtubeur qui fait des vidéos sur ce jeu aussi. Je dirai pas le nom au cas où qu'il y aurait des problèmes. Vous le connaissez sans doute. Pour ceux qui regardaient déjà des vidéos sur Farming. J'espère que par contre c'est pas trop fort Farming, comme ça on m'entend très bien. Donc c'est vrai que j'ai pas trop pensé à baisser Farming dans les options. Enfin un petit peu il me semble. Mais j'ai pas beaucoup baissé le son. J'espère que c'est pas trop fort pour vous. Sinon bah, au prochain épisode je baisserai un peu le son, je vous ferai tout à l'heure. Tant que j'y pense parce que j'y joue pas beaucoup à Farming 2015, je joue un petit peu. Donc avant j'avais joué à la démo, c'est pas terrible la démo. Hein. C'est le début de la commencement. Il coûte 22 euros chez Amazon. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Il coûte 22 euros chez Amazon. Donc, il est vraiment pas cher. Et si vous voulez l'acheter neuf, il coûte plus cher. Mais par exemple, chez Micromania, il coûte 30 euros. Et chez Amazon, il coûte 20 euros. Voilà.
c'est pas cher. Mais je me rappelle dans le 2013, je l'avais acheté 20€. Et c'est tout ce que j'avais acheté comme jeu pour l'instant. Donc j'ai acheté aussi le truc, donc il coûte pas trop cher non plus. Je me rappelle plus trop de son prix, il me semble que c'était 20€ aussi. Si je ne raconte pas de conneries. Et donc, voilà, le truc c'est pas mal comme jeu aussi. Voilà. Alors V. Alors on fera du retruc après les didacticiels je pense, parce que on va faire les deux en même temps. Et aussi au niveau de plein de zombies, parce qu'il y en a encore qui m'ont demandé pour cette série. Alors pour l'instant je vais pas commencer. Je pense que je vais commencer début juin. Ouais, ça va être beaucoup je pense, parce que déjà j'aurais peut-être fini rien en fait, parce que j'ai pas trop commencé de série en ce moment, mais j'ai plein de trucs à faire et du coup j'ai pas trop le temps de le remettre sur mon PC on va dire. Donc du coup il faudra que je le remette un de ces quatre pour que je puisse y jouer et finir enfin cette série qui aura duré quand même un bout de temps, parce que je l'avais commencé quand même en 2014 ou en 2013, je m'en rappelle plus. Il me semble que c'était en 2014. Je l'avais reprise et puis après j'ai formaté mon PC puis j'ai pas recommencé à l'installer. Bah ça c'est en train de tout faire foirer. Donc du coup le mercredi il y a, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos aussi, mais bon ça reviendra et bientôt il y en aura de plus en plus. C'est juste parce que j'ai pas eu trop le temps ces derniers moments, et aussi que bah, je suis en train de passer le CFG et tout le bordel, que du coup c'est le bordel. Mais plus tard on fera des vidéos mieux, parce que déjà je vais m'acheter un nouveau micro très bientôt. Parce que celui-là il commence à être ancien un peu, il a déjà 200%. Dès que j'avais commencé le fou en fait, et ben voilà, je l'avais eu là. Et donc du coup voilà, il fera peut-être que je commence à en acheter un nouveau, parce qu'il commence à être un tout petit peu ancien. Et le deuxième, je me rappelle plus du didacticiel deuxième. Il faudra que je m'habitue à dire ce mot, hein, parce qu'il y a plein de... il y aura pas mal d'épisodes sur ce sur cette série, donc il faudra que je m'habitue à dire ce nom, donc c'est V, excusez-moi. Et voilà. Donc, je pense que... bah, attendez, on va juste continuer un petit peu juste pour faire genre, quoi, pour que là, il dure un petit peu longtemps, plus longtemps, je veux dire, parce qu'elle va durer que 10 minutes. Le didacticiel est terminé avec succès. Alors, on va finir, juste finir ça. Voilà, on va monter la charrue. Voilà, on va enlever les gyrophares, voilà, et on va appuyer sur ça, voilà. Donc la bourrée c'est fait, après la prochaine fois on va faire semer, encore avec le petit Newland. Et après on va pulvériser avec encore le petit Newland. Et après, ce sera bon, après il y en a un autre en dessous, hein, donc après on va faire récolter, mais ça on fera ça dans une autre épisode 2. Mais je vous montre que ça, hein, pour vous faire la surprise plus tard, allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, à la prochaine, allez salut!